Madame, monsieur, bienvenue à ce flash sportif sur Numidia News. On commence avec du football. Parmi les points à l'ordre du jour, la composition des chapeaux pour le tirage au sort prévu ce vendredi. La FIFA a ainsi composé les quatre chapeaux. Pays hôte de la compétition ainsi que les sept sélections les mieux logées dans le classement mondial. Pour ce qui est de l'Algérie, elle sera en compagnie des sélections africaines, le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ainsi que deux équipes de l'Amérique du Sud, l'Équateur et le Chili. La huitième équipe sera connue en effet ce vendredi. Un premier tirage au sort précédera le tirage au sort de la phase finale, lorsque sera fixé sur la huitième équipe qui rejoindra le chapeau 2. Ce sera une équipe parmi les 9 sélectionnées dans le chapeau 4 qui rejoindra le chapeau 2 que la FIFA choisira selon un premier tirage au sort. Toujours en football, le ballon du mondial baptisé Brazuca a été présenté à coups de tambour mardi à Rio de Janeiro. Le ballon pèse 437 grammes et a été testé durant 2 ans et demi par 600 joueurs de 30 équipes dans le monde entier. Regardez! L'équipementier sportif allemand Adidas a organisé à cette occasion une fête dans le parc Large, dans le sud de la ville, en présence de l'ancienne gloire du football brésilien Cafu, ainsi que du néerlandais Clarence Seedorf et du brésilien Hernan, qui jouent respectivement à Botafogo et Flamengo, deux clubs de Rio. Le ballon est à 100% brésilien, il est de toute beauté et réellement les caractéristiques et les couleurs du Brésil. On passe à une autre discipline, la natation. La presse américaine évoque un retour à la compétition de Michael Phelps, une tendance qui prend de l'épaisseur depuis l'annonce que ce dernier est de retour dans le programme antidopage américain. Michael Phelps prépare-t-il son retour dans les bassins? Il y a des signes qui vont de ce sens. Plus d'un an après avoir pris sa retraite à l'issue des Jeux Olympiques de Londres, le recordman des titres et des médailles aux JO est de retour dans le programme antidopage américain. L'agence antidopage américaine a en effet révélé que le nageur de Baltimore a subi 2 contrôles ces 2 derniers mois. On finit cette édition avec un buzz un peu spécial et émouvant. Aaron Farringham nous donne une belle leçon de courage comme on peut voir dans le sport. En effet, cet athlète est handicapé depuis l'âge de 3 ans à cause d'une maladie congénitale et en chaise roulante de façon permanente depuis l'âge de 8 ans. Regardez. Ce qui n'empêche pas ce dernier de vivre sa passion à fond. Le skateboard célèbre pour avoir été le premier athlète à effectuer un salto arrière en chaise roulante. L'athlète handisport remet ça dans une vidéo spectaculaire. On le voit réaliser de fabuleux tricks en compagnie de sa chaise roulante sur des infrastructures de skaters et riders confirmés. Et ce n'est pas ces différentes chutes à vitesse vertigineuse dans la vidéo qui vont l'arrêter. Une belle leçon de vie. It actually felt pretty good. It was like a cup of coffee. Backflips for breakfast, I guess. We should give you like a shirt to wear. Nah, it's motivation to land it. Is this wheel life?
Madame, Monsieur, le flash sportif est fini. Pour plus d'informations, consultez votre page Facebook Numidia News. Merci pour votre attention. Au revoir.